Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas les photos Life is Strange? Eh bien si, je les ai reçues, enfin! Mon souvenir est là pour Life is Strange, je suis très content parce que ça rend super bien, bref. Aujourd'hui on se retrouve sur Emily is Away, c'est un simulateur de relations, je crois, c'est une connerie comme ça. Le but, va falloir pécho Emily. Va falloir la foutre dans notre lit, bordel! C'est ça le but, c'est tout! Disons-le franchement, arrêtons les conneries, chapitre 1, 2002. Faut savoir que normalement il y a du son dans le jeu, mais moi ça veut juste pas enregistrer. Alors screen name, Aiden Play. First name. Allez, on va s'appeler Trevor, comme le mec de GTA 5, c'est parti. Ouh, faut choisir une petite icône, sympa. Harry Potter. Parce que j'ai pas vraiment d'originalité. Alors, Emily a sign in. Bonjour Emily. Emerly 35, donc ça c'est Emily, hein. C'est la meuf qu'il va falloir qu'on chope. Alors, on a trois systèmes de réponses. Hey, hello, howdy. On va dire hey, c'est sympa, hey. Alors, je crois qu'il faut que ça soit moi qui tape faussement. C'est-à-dire que là, j'appuie que sur le H. Voilà. Hey, Millie, comment tu vas? Salut, j'adore ton nouvelle icône. J'aime ton nouvelle icône, j'adore ces films. Quoi de beau? Quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu fais aussi, un petit peu? Bon, je te parle, tranquille. I'm talking to you. Bitches, tu es en train de te parler, qu'est-ce que t'es en train de faire? J'écoute juste de la musique, qu'est-ce que t'aimes Coldplay? Alors là, complètement ma grande, je suis un grand fan de Coldplay. Complètement, leur dernier album était complètement ouf. Je traduis à ma sauce, hein. C'est vrai qu'il était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'un de mes favoris. Les paroles sont dans ma barre d'infos. Vous savez, dans la petite bibliographie qu'il y avait sur MSN. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas à la fête de Travis ce soir? Je vous rappelle qu'il faut pécho cette meuf, hein, qu'il va falloir la choper, qu'il va falloir qu'on la foute dans notre lit très très vite. Parce qu'on est en 2002, hein. Je sais pas jusqu'à quand ça va, mais il va falloir y aller très vite. Alors, peut-être, je ne sais pas encore si j'y vais, je me suis pas décidé. Oh, Travis est une bite, et ça dépend de si tu vas. Ça c'est bien ça, ça fait... Il avait mis un smiley. Il a enlevé. Ouais, j'y vais, donc tu devrais y aller. C'est fou qu'on ait déjà fête de fin d'année. Le temps passe très vite ou très lentement. Tellement hâte que l'école soit finie. Hein, on va traduire comme ça. Travis a une tête de con. Mais mec, ça a rien à voir avec ce qu'on est en train de te dire. J'ai vraiment hâte que l'école soit terminée. Pareil, j'en ai marre de l'école. Est-ce que tu connais Brad de notre cours de maths? Il arrête pas de nous envoyer des messages. En ce moment. Ouh, Brad, calme-toi, on est déjà sur le coup. Ignore-le, c'est bon, tu nous parles à nous, Emily. Hein, tu parles pas à Brad, tu nous parles. C'était ce que je comptais faire, il est en train de me dire qu'il a besoin de me parler. Oh, mec. Genre, déjà, ça sent la friendzone, moi, je trouve. Hein. Encore un mois et on a notre diplôme. On est tellement vieux, tellement excité pour l'université, mais je crois en fait c'est vraiment pour le lycée en fait, c'est vraiment du collège au lycée pour nous, enfin je sais pas, bref on s'en fout. Je suis tellement excité pour le collège, je trouve que c'est un peu tôt, c'est le cadet de mes souhaits. Je suis vraiment excité d'aller au lycée. Alors il est en train de dire, je suis vraiment excité d'aller au lycée, est-ce que t'as trouvé une école toi? Alors il est en train de dire qu'elle n'a pas été acceptée dans les écoles qu'elle voulait, elle ira dans celles qui voudront bien d'elle. Mais c'est cool, rien de mieux que le lycée, qu'est-ce que tu vas faire toi? Nous, ce qu'on va faire, une école d'ingénierie, ça fait le mec hyper intelligent et tout. Une école art, ça fait le mec mystérieux, tu sais. Genre, moi, je dessine. Une école de business, genre, vas-y, je vais ouvrir ma boîte, mais je sais pas comment faire. Mais je pense qu'on va faire une école d'art, ça fait mystérieux et tout, c'est cool. Alors, il a dit, je veux faire une école d'art, mais je suis pas trop sûr de ce que j'ai envie de faire là-bas, mais je suis sûr que ça sera hyper cool. En gros, hein, je traduis à ma sauce, c'est pas exactement ce qu'il a écrit, mais je traduis à ma sauce, quoi. C'est cool, t'as toujours eu un grand talent, je suis sûr que, en gros, ton diplôme sera hyper cool. Vu qu'on va aller dans différentes écoles, est-ce que tu me promets que tu seras toujours là pour moi? Absolument, c'est sûr, je serai toujours là pour toi, je ferai de mon mieux, et je peux pas te le promettre. Le mec qui dira « je peux pas te le promettre », c'est le mec qui veut pas pécho. Donc c'est pas ce qu'on va mettre. Je suis désolé, on fait le canard, mais... c'est le but du jeu. Or, il a effacé! Qu'est-ce que t'allais écrire? Mais non, mais je sais même plus comment on s'est appelé là. Il a écrit absolument. Rien ne pourra me faire arrêter de te parler. Tu es l'une de mes meilleures amies. Et il avait écrit, avant d'effacer, tu es ma meilleure amie. Ça veut dire que mon gars, t'as vraiment pas envie de la pécho. T'es en train d'écrire de la merde, alors que nous, on est derrière notre écran à t'aider comme un connard. Alors il est en train de dire,
toi aussi t'es l'un de mes meilleurs amis, hein, donc elle va répondre un petit peu la même chose, ça serait un petit peu con qu'elle nous dise bah non mais moi je t'aime pas trop quand même, ça serait con, ça serait con. Je suis vraiment très con, je suis en train de chercher sur Google ce que ça veut dire Trevor, c'est le prénom qu'on a choisi au début Trevor, putain je suis débile. J'espère que Julie va arriver très bientôt, comme ça je pourrai aller à la fête. Donc je vais dire, j'espère aussi. Ok merci, je suppose qu'on va aller très bientôt à la fête de Trave. Si tu y vas aussi, tu devrais probablement partir bientôt. Est-ce que je te verrai là-bas? Absolument, tu nous verras là-bas, on y va. Parce que tu y vas, on lui a dit au début, c'est ce qu'on lui a dit. Hein. Je pense qu'on va aller à cette fête. Comme ça, on sait pas ce qui peut se passer. Alors, génial, je suis presque prête et j'attends Julie. J'espère que Brad va arrêter de m'envoyer des messages. Je te vois tout à l'heure. See ya! C'est cool, see ya, genre ça fait un peu... À toute. Ok, chapitre 1 terminé, on passe en 2003. C'est pas ce qui s'est passé à la fête, est-ce qu'il l'a pécho ou pas à la fête? J'espère qu'il lui a fait boire. Oh, faut que je choisisse une nouvelle icône. 50 Cent. Trevor, hey, comment tu vas? What's up, what you doing? Oh, it's chicken. What's up? What's up? Hey, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire mes devoirs et j'écoute de la musique, et toi? Je suis juste en train de jouer à des jeux vidéo. Toi, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Snow Patrol. Alors, est-ce que j'ai entendu le dernier album Final? Le dernier album de Snow Patrol. Ok, donc si elle écoutait ça, c'est qu'elle est carrément déprimée, la pauvre. Allez, c'est reparti. I don't think so. C'est bête, hein, mais je préfère lui dire la vérité. Je ne connais pas. Tu devrais écouter, c'est vachement bien. Est-ce que ça te plaît ton école d'art? C'est super cool. Donc, voilà. J'ai de la... Je quitte tôt, je crois. J'ai un emploi du temps de dingue. Et j'ai des gens vraiment incroyables dans ma classe. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire. C'est cool, ma classe est complètement ennuyeuse. J'aimerais bien aller te voir plus souvent. Est-ce que t'as quelque chose de prévu ce soir? Oup, 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 oup. On n'a rien de prévu ce soir. Ah, j'ai pas le choix. On va sortir avec des amis, comme ça on veut peut-être l'inviter, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Putain, si on peut l'inviter, on va aller voir un film. Destination Finale 2, quoi. Ça l'intéressera jamais. Qu'il est con, mais qu'il est con. Pardon? Elle est en train de dire non, Brad. Et je sais pas, je crois qu'il est à la salle de sport. Donc elle est toute seule ce soir. Attends, qu'est-ce qui se passe avec ce Brad? Brad qui? Brad Pitt, j'espère, hein? Tu vas lui piquer son fric, dis-nous, c'est tout! Brad, c'est mon petit ami. It's been a long day. Tu te rappelles de lui au lycée l'année dernière? On est en couple depuis quelques mois maintenant. Oh mec, je suis content pour toi. Comment ça se fait que vous êtes ensemble? Tu te rappelles à la partie qu'on est allé l'année dernière? Brad m'envoyait tout le temps des messages pour me dire ce qu'il ressentait. J'ai cru qu'il rigolait, mais après j'ai réalisé qu'il était sérieux. On a commencé à parler un peu plus. Pendant l'été, on a réalisé qu'on allait dans la même école. Mais non! Mais non! Mais attends, mais... Et ce qui devait arriver, arriva. Est-ce que t'es vraiment amoureuse de lui? Je ne sais pas trop. Aimer est un bien gros mot. Oh! On a peut-être encore nos chances! Et quelquefois, quand il boit des verres... quand il est cool et tout ça, bon, c'est pas mal. Ça se passe. Est-ce que Brad est quelqu'un de bien avec toi? Il est plutôt cool... il est cool et tout, mais c'est tout. Ouais, bon, en gros, c'est pas la folie, mais quand c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression que c'est une mauvaise relation. Tu devrais arrêter, Emily. Je trouve que c'est une relation normale. Tous les couples ont leur haut et leur bas et ce genre de choses. Non, 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 non. Non, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de dire qu'on est vraiment inquiet pour elle, qu'on veut faire attention à elle. Et il change pour dire qu'il y a des gens qui tiennent à elle et tout ça. Mais... Comment veux-tu draguer si tu penses qu'à... Écoute, je pense que tout va bien. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de plus en parler. Bref. Ok, désolé. J'ai juste envie que tu sois heureuse. Je veux juste que tu sois heureuse, Amy. Mais je suis heureuse, je le promets. Ok, il se fait tard. Je vais pas aller voir tes amis. Je peux rester. Si on parle à Emily, c'est vraiment cool que tu puisses rester, mais j'ai pas envie que tu rates quelque chose. Du coup, elle nous dit... Elle veut qu'on nous fait dire au revoir, là. Mais non, 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 non. Merde! Non!
Allez, parti quand même. Salut Trevor. Hey Emily, comment ça se passe la vie? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est cool, c'est cool. Écoutez, on va faire comme si c'était rien passé il y a un an. C'est cool, comment va la tienne? Ok. Est-ce que t'as des plans pour ce week-end? Ok, on va dire qu'on va traîner un petit peu. On va traîner avec Emma. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Ne parle pas d'Emma. Mais t'as l'air d'être cool. Qui est Emma? Ah, tu sens la petite once de jalousie au fond de ses yeux. C'est juste une de mes amies, t'inquiète pas. Par contre, si tu veux venir ce week-end avec Emma, on peut faire un petit truc à trois. Ok, cool, donc je ne pensais pas... je ne savais pas que tu en avais, tu n'en as jamais parlé. Comment vous vous êtes rencontrés? Allez dans notre classe. Comme ça, ça fait genre, c'est pas de ma faute. Est-ce que je l'aime bien? Non, voilà, tu sais, un petit mec mystérieux, quoi. Ah, on fait une école d'art, à la base. Elle est en train de nous dire, oh, ça a l'air d'être vachement bien. C'est vraiment cool. Oh, le mytho, ça sent le mytho, Evili. Est-ce que t'as des plans ce week-end? Oh, oui! Moi et Brad, on était supposés aller voir un concert. Mais ça ne se fera pas. On a cassé ce... Cette semaine! Oui! Oh, je suis vraiment désolé! Comment est-ce que tu vas? On va la consoler. Lui et moi, on a le même groupe d'amis, donc c'est un peu bizarre. Je me sens vraiment seul. T'inquiète pas. On est là, Emily, on est là. Je sais, et je te remercie pour ça. Je me sens vraiment abandonné. T'es vraiment des amis de merde. Voilà. Ouais, je pense aussi... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Emily, qu'est-ce que... Oh là là, elle commence à pleurer. Emily, tu pleures pas, t'es vraiment une personne incroyable. Merci, je suis sorry, je suis désolé de parler de tout ça. Voilà, je serai toujours là pour toi, t'inquiète. Même si on comprend pas tout ce que tu nous dis, on sera toujours là, Emily. Merci, c'est vraiment bien de pouvoir te parler de ça avec toi. Non, on va lui dire nos problèmes, pas de problème. J'aimerais te demander quelque chose, mais j'ai peur que tu me détestes juste après. Promets que tu ne me détesteras pas. Ouh là 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 là, Emily, qu'est-ce que tu m'as demandé? Vas-y. Je te promets, vas-y, qu'est-ce que c'est? À la partie de Travis, 2 ans maintenant, je te rappelle quand on est allé marcher tous les deux, arrêté dans une aire de jeu de quelques instants, on s'est allongé, on a regardé les étoiles. Pourquoi est-ce que tu m'as pas embrassé? Je savais pas que tu ressentais ces choses-là, on va faire remonter les choses enfouies et tu vas voir, ça a marché. On va faire remonter les choses qui se sont enfouies en elles. Toujours demandé comment les choses se seraient passées si tu l'avais fait. Je rêve de t'avoir embrassé. Alors ça, mon gars... Hey, j'ai une idée. Ouh, attends, on parle de bisous, là. Peut-être que je pourrais venir te voir ce week-end. J'ai vraiment besoin de passer du temps loin de cette école. Et on a toujours dit qu'on allait venir se voir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y. Viens. J'ai vraiment très, très envie de te voir. Maintenant, je suis vraiment excité. J'ai vraiment envie de venir. Et tes plans avec Emma? Oh, c'est pas grave. Je lui en parlerai, t'inquiète, y'a pas de problème, elle comprendra. J'ai pas envie que tu rasses quelque chose. Qu'est-ce que t'as envie de faire ce week-end? Venir dans ma chambre? On peut aller à des fêtes ou faire des trucs autour du campus. On peut faire des trucs autour du campus, tu vois, c'est pas trop ce que l'emmener dans notre chambre direct. Mais alors là, mec, t'es grillé, c'est mort. Ça sonne bien pour moi, ok, c'est cool. Est-ce que je dois amener de l'alcool? On en a pas besoin. Nous, on veut une relation sexuelle consentie, hein. Ok, j'ai vraiment hâte de venir et de te voir. Oh merde, je dois vraiment y aller maintenant. Mais on se voit ce week-end, ok. Ok, on se parle plus tard. Trevor utilise toute son énergie pour conquérir le cœur de Emily. Son plan a fonctionné. Elle vient lui rendre visite ce week-end. Arriveront-ils à se mettre d'accord? Trevor embrassera-t-il Emily? Tout se jouera l'année prochaine.